Salut, c'est Kaliana et on est à l'épisode 5 de Dishonored, la mort de l'Outsider. Alors on continue tout de suite, c'est tout de suite après l'épisode 4 et on va à la carrière nord de Shindare. Une brèche dans le monde. L'argent graphique que vous avez récupéré dans le conservatoire royal indique un lieu secret perdu dans les montagnes, à proximité du pic de Shindare. Quand vous serez sur place, trouvez le passage vers le grand vide et éliminez l'Outsider. Alors c'est peut-être le dernier épisode. Les ténèbres règnent au cœur de toutes choses. Ça peut vous changer si vous y pensez trop, mais elles sont toujours là, à vous attendre. Pendant ma fuite, j'ai essayé d'oublier tout ce que j'étais. Maintenant, je vais tenir ma promesse faite à quelqu'un qui était tout pour moi. Parfois, j'entends encore la voix de Daude résonner dans le métal de ce misérable couteau. C'est la chose la plus étrange que j'ai vue de ma vie. C'est dire si c'est important. Il y a un complexe minier au pic de Shindare, tellement caché que la plupart des gens n'y croient pas. Cette maudite secte vit là-bas, protégeant le seul endroit pouvant m'amener face à face avec l'Outsider. Un jour, j'ai entendu d'autres parler du grand vide, une peur qui prend à la gorge, terrifiante. Mais je ne reculerai pas. Que restera-t-il? Une fois l'Outsider disparu, son nom est peut-être perdu. Et ce soir, je vais savoir s'il peut encore saigner. Voilà l'endroit, la carrière nord de Shindare. Elle ne devrait pas exister. Et d'après ce que je vois, elle est bien là. C'est là que le grand vide est le plus proche de la réalité, déversant toute la peur et la puissance que la vie du Kidam essaie de cacher. Cette découverte que tu as faite, ce que tu feras maintenant, changera le monde. Encore toi. Tu sais, je me demandais si tu allais venir me parler un jour. Les gamins des rues, les misérables poussés à bout, ils veulent tous que tu leur parles. Alors, pourquoi moi, maintenant? Tu sais que je viens pour en finir avec toi et cette maudite secte. Les gens viennent ici depuis des siècles, avec beaucoup de demandes. Tromper la mort, obtenir un savoir interdit. Ils ne repartent jamais satisfaits. Même dans la mort, ils ne trouvent pas la paix. Tu trouveras une autre relique au cœur de la secte. Un objet perdu quelconque du passé. Tu trouveras les gens qui m'ont tué. Quand je les ai connus, ils avaient des démons. Maintenant, ils errent. Leurs esprits emplis de leurs secrets, cachant le rituel abominable qui a fait de moi ce que je suis devenu. Dans le grand vide, ils m'ont tranché la gorge et effacé mon nom. Tu as trouvé un couteau. Peut-être trouveras-tu mon nom dans le sort de ce lieu, si tu n'y prêtes attention. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux? Je savais bien comment une foule peut justifier un meurtre. Mon nom et mes envies n'avaient pas d'importance pour eux. Je ne t'en parlerai plus à notre prochaine rencontre. Tu seras face à face avec ce qu'on m'a fait il y a toutes ces années. Ton esprit résonne avec tout ce que d'autres veulent que tu fasses. Et toi, n'oublie pas que tu as le choix, Milurk. Ok. Note. Pourquoi du but?
Je ne dors pas beaucoup, mais j'ai rêvé de l'outsider la nuit dernière. Cela devait finir par arriver. Il se trouvait dans le grand vide, les yeux fermés comme s'il cauchemardait lui aussi. Je n'ai pas hésité, j'ai posé ma main sur sa bouche et j'ai plongé le couteau dans sa poitrine. La lame s'est enfoncée avec une secousse sous mon poids, et son sang s'est mis à jaillir sur mes doigts. Il a alors ouvert les yeux et m'a regardé l'espace d'un instant. Puis il est tombé, tremblant dans les ténèbres, et je ne pouvais plus voir que d'herbe secouée de convulsions, comme lors de sa mort. J'ai dû me réveiller pour mettre fin à ce supplice. Je sais que le couteau ne fait plus qu'un avec mon corps lorsque je ne le vois pas. Je le sens dans ma poitrine, dans ma gorge. L'outsider mérite toute ma haine pour ce qu'il m'a fait. Pour avoir corrompu les quelques souvenirs auxquels je tenais. Pour m'avoir soumise à des horreurs que je n'aurais jamais demandé à voir. Pour avoir déformé mon corps et l'avoir assujetti aux ténèbres. Pour toutes ces raisons, serais-je en mesure de mettre fin à sa misérable existence. Tuer l'outsider ou trouver une autre solution. Vers les mines de Shinder. Il n'y a rien. Où sont-ils passés? Je hais cet endroit. Ah, ça marche pas. Si. Oh, ça marche pas à travers les murs. On va aller aux mines. Il y a les chiens. Non. Hop. Hop. Et voilà. Il n'y a pas un quatrième par hasard?
de mineur. Shoban, je sais que tu ne me crois pas, mais j'ai encore eu une vision. L'air s'est mis à trembler, s'est scindé, puis s'est refermé à la manière d'une raclure d'eau. Jusqu'à la fin de la journée, cela m'a empêché de reconnaître les visages de mes compagnons. Leurs traits étaient brouillés, comme si je regardais une argentographie de mauvaise qualité. Il fallait que je devine leur identité à partir de leurs vêtements. Nous n'avons même pas quitté Donovan pour cette saloperie. Quand les mines de Pendleton ont fermé, nous avons cru qu'une nouvelle opportunité s'offrait à nous avec ce départ pour Cerconos. Une meilleure paix et un climat plus clément. Maintenant, je commence à avoir des doutes. Je ne sais pas. Je n'en peux plus. Je n'arriverai pas à redescendre sachant ce qui m'attend en bas. Il faut que tu me croies, il le faut. Il n'y a pas que toi qui sois au courant, ton frère Nial. Elle repoussera tout le mensonge et s'envole. Pour certains, une catastrophe. Pour d'autres, une révélation. Pour d'autres encore, une promesse. Silence. Le grand vide a besoin de toi. Je ne peux plus aller dans le grand vide. Là-bas, la pierre ne fait pas qu'envahir le corps. Elle prend aussi le cœur et l'esprit. C'est notre but, Antero. C'est pourquoi nous sommes là. Ne combats pas l'influence de l'éternité. Non, j'ai peur. Je ne veux pas devenir comme eux. Ça n'arrive pas. Sont-ils tous comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici?
passage solide. Parce que vous tombez de haut, vous produisez une onde de choc avec TSH qui Dis-moi ce que tu as ressenti. Oui. J'ai regardé en son centre. Boum ! Quelqu'un nous tire dessus. Oui, quelqu'un. Cette nuit, nous entrons en communion avec l'œil. Lorsque vous aurez terminé d'étudier ce soir, sortez de la bibliothèque et rejoignez-nous dans la chambre. La relique regardera en nous et nous devons l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Le grand vide est à l'intérieur. À nous de le faire remonter à la surface pour mieux voir sa vérité. Apportez 3 couteaux aiguisés. Cherchez le lieu. Il faut 3 personnes. Plus de poids pour qu'il bouge.
Une petite sauvegarde. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer. Ah. Oui. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Nous avons de la chance d'assister une deuxième fois au passage des visionnaires. J'ai vu qu'ils ne pouvaient plus communiquer avec nous. Est-ce qu'ils nous voient? Ou est-ce qu'ils ne voient que le grand vide? Dans son livre, Nozaku affirme que les visionnaires nous voient, mais choisissent de ne pas nous parler. Ils ont bien plus important à faire. Discussion sur la traduction ancienne. Ouf! Le teint du grand vide. C'est une cuillère, je croyais que c'était une clé. Il y a rien. Interdit. Voilà qui est intéressant. Oh, il a amené des trucs intéressants. Toujours une clé. Il y a un mec. Il dort et rêve au cœur de tout, enveloppé par les ténèbres et le froid. Et là, il monte vraiment. Compagnon, gardien de l'étreinte rituelle, vous avez joué votre existence et choisi de quitter les bas-fonds de l'ignorance de notre société. Vous voyez le monde tel qu'il est. Quand les illusions disparaissent, la vérité apparaît. N'oublions pas la raison de notre présence. Et l'importance de notre tâche. Il y a des millénaires, nous avons soustrait une âme perdue de la rue, et en soufflant sur les pas. Non, outsider. Ils sont combien en bas? Ils sont trois. Il n'y a rien.
Oh, elle l'a paré. Et boum! Sont où les deux autres? Il est pas mort. Voilà. Voilà. J'ai fouillé. Ah putain. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous êtes déjà mort. Mais c'est pas fini là. Merde. Ah, cadeau. Il vise la tête. Eh ben. J'ai peur, j'ai peur.
Mais y a rien. Là, il n'y a rien. Là, ça ramène en bas. Sauvegarde. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Dans les trains rituels. Non, 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 il m'a pas vu. Ses yeux noirs, sa forme juvénile que le temps n'atteint pas. J'ai lu des descriptions de rêves. Quelqu'un nous tire dessus. C'est de plus en plus glauque. Hein. Oh putain. L'œil du dieu mort. Il me regarde. Il fait partie de moi depuis le début. C'est froid. Mort. Mais je l'observe.
Je peux voir. Tout voir. Le grand vide. C'est comme regarder sous les vagues dans l'océan. Regarde. Ah, mais c'est lui qu'on cherchait tout à l'heure. Éliminer le tailleur ou trouver une autre solution. Putain. Ok, le mec il one shot quoi. C'est le coffre. Depuis combien de temps l'outsider dort-il dans le grand vide? J'en sais rien du tout. Je vais me péter une jambe. Mais lui, il est pas beau. Hop là. Salut. Hop là. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... La masse de l'outsider, celui-là était aussi timbré que les autres. Qu'est-ce qu'il a trouvé?
2, 9 et 6. On va essayer. La combinaison de son coffre a peut-être un rapport avec ces étranges symboles. 2. Neuf. Six. Non. Six. Neuf. Deux. Neuf. Six. Deux. Voilà. L'imparable, l'impression que le plus puissant. Quoi? La marque est le nom de l'outsider? Et seuls les esprits d'ici peuvent le lire. Alors, sauvegarder. Tombé. Ça ira bien. Je sais pas si on peut les tuer ces machins-là. Je le sens. Je
vais maintenant. C'est quoi si je plonge dans l'eau? Ça fait rien. Vas-y. Tout a disparu. Tout. Pourquoi es-tu là? Tu es devenu. Dode, je suis là. Regarde-moi. Je te reconnais. Il y avait du sang, des masques, des lames. Bjork, tu haïssais pourtant autrefois. Maintenant tu m'as suivi dans le grand vide. Tu as apporté le couteau. Je ne peux le laisser. C'est impossible. Mais toi, oui. Suis-je ici depuis longtemps? Oh, que oui. Le voilà. L'outsider. Tout ce temps, rêvant dans le grand vide. Je me demande s'il a rêvé de ce moment. Il a presque l'air de souffrir. Vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il mérite? Tu connais déjà la fin, Lily. Regarde-toi. C'est ça que l'abbaye voulait cacher. C'est ça que les aveuglés essayaient de découvrir. Je suis au centre du grand vide lui-même. Tu n'es même pas une abomination que je dois combattre. Tu es à ma merci. Mais tu as toujours été à la merci des mauvaises personnes, n'est-ce pas? Tu m'as dit que j'avais le choix. Eh bien, c'est l'heure. Je n'ai pas changé d'avis, sale fourbe aux yeux noirs. Tu ne mérites pas ça. Personne d'ailleurs. Tu ne mérites pas ça. Personne d'ailleurs. Je ne laisserai pas le monde vivre de ta souffrance. J'ai trouvé un autre moyen. Avant, l'outsider vivait et respirait. Il passait ses journées dans les ruelles d'une ville oubliée. Cette secte lui a tout volé. Jusqu'à son nom. Mais moi, je le connais. La marque est le symbole de son nom. Mais seuls les morts peuvent le lire. Si on le lui rend, il sera libre. Il vivra le restant de ses jours comme n'importe quelle autre personne. Marc, non. Tu es ici pour le tuer. Tu ne peux pas me donner ça, Billy. Pas après toutes ces victimes. Pas après ce qu'on a fait. Pourquoi serait-il responsable de nos actes? Il nous a donné un moyen de nous battre. Il ne nous a jamais menti. Tu sais ce que je suis devenu. Nous regardions de l'or comme notre terrain de jeu. Un terrain ensanglanté. Vous savez qu'on viendrait comme ça. Il a toujours su. Suivez-le, mais il ne fait que le mal. J'ai vu la secte qui l'a tué. Il est mort de leurs mains. Regarde-le. Ça n'était pas son choix. Il n'a jamais demandé ça. Alors achève-le.
Mais l'on a forcé ses souffrances. Si tu me plains, l'avenir qui l'attend sera meilleur que l'existence qu'il mène. Doit-il vraiment mourir? Il y a des années, je t'ai fait quelque chose d'horrible. Je ne méritais pas de vivre. Et je suis partie. Tu m'as donné une chance. Laisse-le vivre, Dode. Comme tu l'as fait pour moi. Je t'en prie. Quand tu as quitté de Hall, j'espérais que tu trouves une meilleure vie. Que tu n'y ferais pas d'assassinat. Jusqu'à ce qu'on te trahisse. Le pardon est rare en ce monde, Billy. Tu es meilleur que moi. Et je peux t'emmener loin d'ici. Mes yeux sont restés fermés pendant des siècles. Mais j'ai tout vu. J'ai traversé beaucoup de générations. Et maintenant, tu es libre. Je ne peux pas annuler ce qu'on t'a infligé il y a toutes ces années. Pas plus que ce qu'on m'a infligé. Et maintenant, tu peux devenir quelque chose d'autre. Quelque chose de meilleur. Ça doit être étrange de savoir ce que tu sais. D'avoir vu les secrets du monde. Tous les deux, on a vu la noirceur dans le cœur des gens. Mais j'ai offert la paix à Dode. Et peut-être que tu la trouveras aussi. J'ai beaucoup de doutes. Mais j'ai aussi quelques certitudes. L'outsider n'est plus. Et sans lui, le monde va changer de façon complètement imprévisible. Mais le grand vide est toujours là, au détour d'un regard. Et il ne reste personne pour dire qui sera ou non touché par sa magie. C'est la deuxième fin, on va aller tuer l'outsider. Hop. Hop là. Regarde-toi. C'est ça que l'abbaye voulait cacher. C'est ça que les aveuglés essayaient de découvrir. Je suis au centre du grand vide lui-même. Et tu n'es même pas une abomination que je dois combattre. Tu es à ma merci. Mais tu as toujours été à la merci des mauvaises personnes, n'est-ce pas? Tu m'as dit que j'avais le choix. Bien. C'est l'heure. Je n'ai pas changé d'avis, ça faut vos noirs. Ordure. Ordure. Ça ne change rien du tout. Ça
ça se termine ainsi. Ça se termine toujours ainsi. Oui, mais pas nous. Le tueur ne change jamais. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est peut-être injuste, mais beaucoup de choses le sont. Je sais que les coupables n'ont jamais ce qu'ils méritent. C'est pareil pour lui. Mais avec ce couteau dans son cœur, j'ai rétabli l'équilibre. Il est mort pour les gens corrompus par sa magie, les sectes, les sorcières et les assassins. Pour sa folie, pour Daud, pour moi. Et pourtant... je ne reste qu'un assassin. J'ai beaucoup de doutes. Mais j'ai aussi quelques certitudes. L'outsider n'est plus. Et sans lui, le monde va changer de façon complètement imprévisible. Mais le grand vide est toujours là, au détour d'un regard. Et il ne reste personne pour dire qui sera ou non touché par sa magie. Et voilà, c'est la fin de Dishonored, la mort de l'Outsider. Un petit peu déçu par ce standalone. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt à Dishonored 3. Ils montrent bien qu'ils mettent fin à la franchise. C'est dommage. Après, au niveau du jeu, on s'attendait à un petit peu plus de pouvoir. L'histoire entre Daud et Billy, un peu plus... on sache un petit peu plus de choses sur eux. Voilà. Bon, voilà. Allez, c'est la fin.